She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du Japap du Béret. Ouais, je vais vous raconter cette petite histoire. Voilà une femme qui s'est fait abuser par des hommes. Elle ne veut pas prononcer le mot là, commence par V, pour que YouTube commence à faire ces trucs-là. Oui, c'est Yaoundé. Vous avez suivi l'histoire du taxi qu'on a arrêté dernièrement là. C'était un taxi qui circulait à Yaoundé, qui passait autant à agresser les femmes là et abusait. Oui, le genre là. Donc cette femme rentrait de sa réunion. Elle a pris un taxi. On a fait la même chose. Oui. Mais comme on a abusé d'un mogou, vous comprenez, non? Après que le temps s'est rendu compte qu'elle est enceinte. Mon frère, tu fais comment? Tu es enceinte. Oui. Tellement l'affaire-là l'avait traumatisée que même son petit truc, ses petits business se battaient. Parce qu'une femme qui avait déjà les enfants, elle se battait pour souvenir aux besoins de ses enfants, quoi. Elle n'arrivait même plus à faire, rien faire. La pauvreté. Pourtant, quand elle se débrouillait, vous voyez un peu, non? Quand elle se débrouillait là, ses enfants ne souffraient pas. Maintenant, elle est enceinte. Elle fait comment? Elle est partie. On lui dit qu'elle doit accoucher par césarienne. Imagine, on demande 350 000. Elle est sortie maintenant sur les réseaux pour demander de l'aide aux Camerounais. J'ai dit que moi, mon problème, c'est que le père de l'enfant, là, celui qui avait abusé d'elle dans le taxi, là, si tu comprends ça, le cri de détresse de cette femme-ci, là, manifeste-toi, même de façon anonyme, envoie de l'argent à cette femme-ci. Aide cette femme. Oui. Quoi? On peut faire ça, Adama. L'être humain peut comme ça gâcher la vie de l'autre comme ça là, facilement comme ça là. Donc tu lèves le matin, tu rentres de ta réunion tranquillement, tu es là, on te gâche, donc ton destin change, on change ton destin. C'est comme ça, c'est ce qui est arrivé à cette femme. On a changé son destin complètement. Aïe, vous voyez comment elle pleure, vous voyez les images. Moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes, sans te dire, quand j'ai vu les images de cette femme. Famille, la vie sienne, la vie n'est pas facile. Parfois, quand tu as une petite situation, même, tu as peut-être un petit truc là, tu as ta petite maison, tu as ta petite famille là, estime-toi heureux parce qu'il y a des gens qui souffrent. Les bienveillants, il y a des gens beaucoup plus riches que toi. Donc, on passe autant à penser à ce qu'on n'a pas au lieu de penser à ce qu'on a. Tu as la santé, tu es là, mais tu. Ah, vraiment. Fais-moi seulement toi à l'hôpital là. Aux hôpitaux du Cameroun, tu vas comprendre que toi qui es en santé là, c'est déjà assez. C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Oui. Pensons à ce qu'on a. On doit souvent penser à ce qu'on a déjà. Pas ce qu'on n'a pas encore envie des gens. Ou d'autres mettent les poids dans les trucs des gens. Oui. C'est comment? Ouais. La famille. En tout cas, la famille, hein, cette histoire m'a trop attristé, sans vous mentir. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la famille. Bisous et hasta pronto.